va bien et toi? Comment va ta maman? Très bien. Tes frères, ton papa? Tout va bien. Tout va bien, alors tu te reposes? Ouais, j'espère que tu m'as pas oublié. Mais non, c'est ce qu'on avait convenu. Ouais. Tu es venu un peu en retard, hein? Ah bon? Ah ouais, tu as dormi comme d'habitude. Tu as déjà tout préparé? Ouais, enfin, j'ai pas tout préparé, j'ai juste sorti du congélateur, des jarrets, voilà. On va faire quoi aujourd'hui? On va faire... j'ai réfléchi, je me suis dit comment on est plus ou moins univers, c'est le début de l'hiver. On va faire un petit tagine de petits pois, d'artichaut, et on va rajouter une petite pomme de terre, parce que ton oncle, il aime la pomme de terre. Voilà, donc d'habitude on cuisine le tagine avec de l'oignon. Comme tous les tagines, ouais. De l'oignon et de l'ail, mais nous, voilà, comme tu sais qu'on cuisine un peu à la manière des classiques, comme on est originaire de là-bas, donc on ne va pas utiliser d'oignon. On va utiliser essentiellement de l'ail. Ouais. Donc là, tu laves la viande? Bah oui, là, je lave la viande. Comme ça, je la mets dans la cocotte après. Tu vas rajouter l'ail? Oui, je vais l'écraser. Il faut que je l'écrase deux fois. Donc là, en fait, la fille, elle prépare du pain. L'habitude des Marocains, c'est de manger le tagine avec du pain. Ah, yeah, c'est du pain fait maison, hein? Fait maison, bien sûr. Parce que tu me connais, hein? Je n'aime pas. Je suis très portée sur les choses faites à la maison. Et surtout le pain, hein? Donc là, on a mis de l'ail, on va mettre les épices, Ben, ton oncle adore ce tagine. Hein. Ah bon? Ben, moi aussi. Hein. Les enfants, j'espère que je vais aimer aussi. Ben écoute, j'espère que ça va être bon. Hein. Là, tu remets du sel. Là, je mets un peu de sel. C'est un dérivé du safran. Voilà, pour ça donne du goût et légèrement de la couleur. Voilà. C'est pour la sauce? Ben oui, les épices, c'est pour donner du bon goût. Après, je vais vous mettre du poivre vert, du poivre noir. Donc, ben, on a fait, on a mis poivre, sel, le curcuma, en fait, ça s'appelle. Hein, là, ça m'est venu. Et l'ail au début. Voilà, et l'ail au début. Et il me faut le gingembre. Voilà. On va mettre un peu de gingembre. Voilà, le gingembre. Tout est moulu, bien sûr. On va mettre de l'huile d'olive. Voilà, bien. De persil coupé, voilà, et après on va allumer le feu, voilà, un peu d'eau, voilà, voilà. Donc là tu vois qu'on a enlevé les feuilles, d'accord, et là en fait on doit enlever tout ce qui est marron et tout et laisser juste le fond. Il faut que ça soit blanc, 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 blanc. Alors tu vas sûrement te demander, te dire, mais après Tati, tu vas avoir les mains noires et tout. Ben, je vais te dire que l'astuce pour ça, c'est une fois les artichauts faits, il faut prendre un citron, le couper en deux. Et puis frotter très 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 bien donc le fond d'artichaut et se frotter après bien 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 les mains, comme ça tout ce qui est noir part, tu vois. D'accord. Voilà, bon ça c'est voilà. Tu vois, pour que ça reste bien blanc. Et je continue. Après, j'enchaîne sur la pomme de terre que je vais mettre dans un petit saladier à part. Ce qui est important quand on cuisine, ben, qu'on ait de l'aide ou qu'on n'ait pas d'aide. Donc, il faudrait que ça soit, qu'on n'ait pas, tu vois, qu'on ramasse propre à chaque fois. Pomme de terre. Tu
vois. Donc, on va enlever la peau, bien sûr. On met un petit tagine, comme on n'est pas très nombreux tout à l'heure. J'ai pas voulu faire mettre beaucoup de légumes. Ils aiment surtout les petits pois. Voilà. Donc, au fait, la petite pomme de terre, c'est juste un rajout pour épaissir un peu la, disons, la sauce. La petite pomme de terre, je la coupe en dés un peu en gros dés. Tu vois? Voilà.